Un merle chante. Ferme les yeux et écoute. Écoute attentivement. Un merle chante par une claire soirée d'été. Il roucoule et émet des sons flûtés, tel un joueur magique de pipeau. C'est comme s'il te demandait de venir dans son jardin. Que se passerait-il si tu acceptais l'invitation? Voyons si tu parviens à l'imaginer. Prends ta lanterne magique et emprunte le sentier enchanté. Où te mènera-t-il ce soir? Dehors, tu entends le bourdonnement d'une tondeuse et le jet d'un tuyau d'arrosage. Quelque part, des gens ont organisé un barbecue. Tu sens de délicieuses odeurs de grillade. Tu entends les personnes bavarder et leurs verres tintés, mais le chant du merle domine tous les autres bruits. Tu découvres le merle qui chante dans une magnifique clairière verdoyante bordée d'arbres. Dans un coin, un petit ruisseau émet un doux clapotement en effleurant des pierres. Une brise légère souffle dans le feuillage. Le merle t'entraîne vers un panier posé sur l'herbe. Il dresse la tête et te fixe de son œil noir étincelant. Il semble vouloir que tu regardes dans le panier. À l'intérieur, tu peux voir beaucoup de pipeaux. Tu en choisis un, tu souffles dedans et tu constates que tu es capable de jouer une belle mélodie. Tu sautilles et bondis partout dans l'herbe tout en jouant. Tu exécutes les gammes ascendantes et descendantes, tantôt lentement et rêveusement, tantôt rapidement et de manière très rythmée, tantôt avec force et puissance, tantôt avec douceur. Les arbres semblent s'incliner et osciller en écoutant la belle musique. Tu as achevé de jouer et tu salues un auditoire imaginaire. Quelle interprétation! Quel brillant musicien tu fais! Tu remets ton pipeau dans le panier et t'assois sur l'herbe douce. Comme tu l'écoutes, le merle recommence à siffler sa douce mélodie. Mais maintenant, tu as l'impression que le ruisseau qui clapote et les arbres qui se balancent chantent aussi. Des oiseaux se joignent à eux. Tu entends le roucoulement d'un pigeon et le ululement d'une chouette. Un autre oiseau siffle avec force. Leur musique produit un air que tu connais depuis toujours, même si tu l'entends pour la première fois. Tu sais que tu peux toi aussi participer à ce concert. Tu choisis le plus long pipeau du panier. Il s'agit de celui qui joue les notes les plus graves. Tu te remets à jouer en exécutant cette fois des notes basses. Tu fais partie d'un fantastique orchestre composé du merle chantant, du ruisseau tintant tel une harpe, des arbres bruissants tels des cymbales, et de tous les autres oiseaux imitant les clarinettes, les trompettes et les violons. Toi, tu es le joueur de pipeau. Vous jouez ensemble, en vous écoutant mutuellement. Une mélodie agréable succédant à une autre. Le concert est terminé. Le silence règne, mais les derniers accords résonnent encore dans l'air et dans ton esprit. Ne les oublie pas. Peut-être te rappelleras-tu cette musique demain matin. Tu pourras alors la fredonner à tes amis. Partout, la nature t'environne. Sois attentif aux oiseaux, aux animaux et aux plantes qui t'entourent, et prends-en soin si possible. Tu seras étonné de tout ce que tu pourras entendre en cherchant à écouter. Mais pour cela, tu dois rester silencieux un moment. Jouer en solo et être une star est formidable, mais jouer avec d'autres personnes peut être tout aussi satisfaisant. Les sons de la nature
sont comme une musique qui t'entoure, comme une douce musique rassurante qui ne cesse jamais.